la généralité, quand on dit un homme mal éduqué, c'est quelqu'un qui manque de bons principes. Et qui, finalement, agit contrairement au pacte social de son environnement. Mal éduqué, c'est un comportement social qui vous fait être accepté ou être rejeté par la société. L'éducation, la première personne qui éduque, c'est la femme. Parce qu'avant de venir dans ce monde, on passe un temps dans le sein de sa maman. Et l'enfant a en principe la capacité, la possibilité de transmettre l'éducation prénatale à son enfant. Et cela l'a fait même quand il vient au monde. L'éducation prénatale est là. Beaucoup ne le font pas, ils ignorent. Mais ça a vraiment son efficacité au niveau de l'enfant. Ça se ressent. Donc cet enfant maintenant qui naît, il naît effectivement dans un milieu, d'abord la famille. Donc c'est le centre où il reçoit toutes sortes d'éducation. Auparavant, nous savons tous l'éducation que les enfants reçoivent au niveau de la famille, c'est une éducation digne de ce nom. Parce que les parents sont là, ils sont présents. Ils suivent à la lettre l'éducation de leurs enfants. Quand le père est absent, quel qu'en soit ce qui va se passer à la maison, dès qu'il vient et qu'il constate un changement, il va interpeller et l'enfant et la mère qui est toujours aux côtés de son enfant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Le père va à ses occupations, la mère aussi, elle sort, on laisse l'enfant seul à son sort. Et on laisse maintenant la télévision éduquer l'enfant. Or, nous savons très bien que la télévision, certes, les médias contribuent à l'éducation de l'enfant, mais pas pour autant. Aujourd'hui, les programmes que diffuse le média, en majorité, c'est des choses vraiment qui distraient les gens, au contraire, plutôt que de les former. La famille éduque, la famille enseigne, la famille suit et évalue l'enfant. À travers ça, en tout cas, on peut voir un enfant bien éduqué, socialement, bien éduqué à l'école, parce qu'il a eu une base à la maison. Tout le monde contribue à faire en sorte qu'il y ait la socialisation. Ok. Depuis le fait d'apprendre à l'enfant à ne pas uriner quand il veut, où il veut, ou même pendant son sommeil, le contrôle sphincter. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Donc quand on dit que quelqu'un est mal éduqué, on voit tous ces aspects. Maintenant, quand on dit que quelqu'un n'est pas instruit, ça, j'insiste, c'est les éléments que mesurent les systèmes dits scolaires, quoi, dans leur ensemble, avec leur mode d'évaluation. Aujourd'hui, je me permets dans une institution scolaire de toucher à un élève. À la minute près, je verrai sa mère venir. Venir, mais attention, pas comme ça. Et vient, elle ne pose même pas de questions. Elle commence devant l'enfant à engueuler l'enseignant. Cet enfant-là, va-t-il demain respecter l'enseignant? Non. Mais aujourd'hui, effectivement, pour le châtiment corporel, là, le châtiment corporel est exclu. C'était peut-être ça. Peut-être ça. On ne dit pas de tuer, de taper l'enfant jusqu'à le blesser. Non. Un enfant, quand vous lui donnez une petite fessée, il sait que ce qu'il a fait est mauvais. C'était tout. C'est juste pour qu'il sache qu'il a fait quelque chose de mauvais. C'était tout. Ce n'est pas pour autre chose. Mais aujourd'hui, cela exclut. Vous portez la main sur quelqu'un. Ah, l'enfant même, il sait que son parent va réagir. Il va commencer à crier, même si ça ne le fait pas mal. Hein. Vous venez voir les parents. Les parents vont venir. Ah, Là aussi, il y a d'autres traitements physiques. On peut te mettre à genoux, on peut te mettre aux oreilles, etc. etc. Tout ça amène l'enfant à réfléchir. Si jamais je n'apprends pas, si jamais je ne fournis pas d'efforts pour connaître, le maître va me sanctionner. Et c'est cette sanction-là, la peur de cette sanction, qui pousse l'enfant. Mais maintenant, l'enfant se dit, que j'apprenne ou pas, je vais passer. Il fait un moment où, quand vous prenez les structures syndicales au niveau des collèges et des lycées, sont devenues tellement puissantes que ces enfants-là ne redoublent pas. D'abord, l'autorité en tant que telle
qui peut brimer un enfant a en premier disparu. Aujourd'hui, nous savons tous qu'au niveau de l'école, le maître n'a plus le droit de corriger un enfant, comme on le dit. Et maintenant, avec les conventions de droits de l'homme, ceci, cela, bien avant les droits de l'homme, les choses se sont un peu dégradées. Le châtiment corporel a été supprimé et l'enfant est devenu roi. L'élève dépasse le maître. Le maître n'a aucun pouvoir. Puisque selon ces différentes lois par rapport à l'enfant, rien que menacer un enfant avec un bic, c'est porter atteinte à sa personnalité. Et on peut vous poursuivre pour ça. Mais l'enseignant n'a plus. Un enseignant qui est mal payé, un enseignant qui n'a aucune autorité sur son élève, que peut-il faire ?